Whiteness TG. Man, Ninja Boo. So malage. Lege momototo, kormototo pondena. Man. Rumla de keno doble, sonne gafara. Isimundo to pondena. Man, lege. Oniva. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Asom Africa TV Show. Je suis Aboudoubaki Boukari et je suis le présentateur de cette émission. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir pour une énième fois M. Gérard Djadé. M. Gérard Djadé est auteur de deux recueils de nouvelles, Coup de théâtre et Notre cœur, notre piège. M. Gérard, bonsoir. Bonsoir. Depuis le début de l'année, on ne s'est pas vu. Effectivement. Ouais, donc je profite de cette rencontre pour vous souhaiter bonne heureuse année 2022 à vous et à votre famille. Aussi, je voudrais tenir cette occasion également pour vous remercier. Parce qu'à chaque fois qu'on a besoin de vous, quand on vous fait appel, Asom Africa vous fait appel, vous êtes toujours présent. Je vous remercie infiniment pour ça. Merci. De rien. D'accord, bon, dans notre entretien de l'année passée, nous avions parlé de votre recueil de nouvelles Coup de théâtre. Aujourd'hui, dans la première partie de cette émission, nous allons parler de votre recueil de nouvelles Notre cœur, notre piège, qui vient de paraître aux éditions Aoudi de Lomé. Nous parlerons également du festival des auteurs francophones. Qui a eu lieu à New York, dont vous avez pris part. Alors, sans trop tarder, j'aimerais entrer dans le vif du sujet. Pouvez-vous vous présenter à nouveau à nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, puisque il y a des internautes également qui suivent Asom Africa TV sur YouTube. Donc, si vous pouvez vous présenter à nouveau à nos téléspectateurs. Je vous remercie de m'avoir invité pour une fois. L'année passée, on était ensemble. Gérard Djadé, je suis togolais, je suis formé en écriture créative et en lettres modernes. Je viens de sortir ce recueil qui est mon second livre, un recueil de nouvelles intitulé Notre cœur, notre piège. Cœur, notre piège. Bon, oui. Comme je viens de le mentionner, et puis comme toi également, tu viens de dire, tu viens de sortir un nouveau recueil de nouvelles, Notre cœur, notre piège. Oui. Bon, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce recueil de nouvelles? Je dirais que on ne sait jamais ce qui me fait écrire. C'est l'inspiration. C'est après avoir écrit qu'on se rend compte que on a été traversé par des problèmes quotidiens et d'ordre général. Je dirais que j'ai été obsédé par les problèmes d'ordre quotidien et culturel. Quand on prend ce recueil de nouvelles, on verra que il y a une partie qui fait allusion aux problèmes quotidiens tels que l'inceste, l'intrigue au foyer et la réincarnation, par exemple, qui constitue un élément de ma culture. C'est ça. Oui. OK. On en parlera au cours de notre émission. Bon, maintenant, pourquoi le choix de ce titre, Notre cœur, notre piège? Pourquoi le choix? Notre piège, je dirais que quand on prend une œuvre, chaque œuvre un titre qui peut remplir plusieurs fonctions, un titre peut servir de clé pour ouvrir une œuvre. Sur le cœur de nouvelles, notre cœur, notre piège, le titre
Nous avons deux éléments qui constituent le titre. Nous avons notre cœur et puis notre piège. C'est ça. Notre cœur, c'est un cœur, une métaphore. Même notre piège également, une métaphore. Hein? Il y a le problème, il y a le thème de l'amour qui traverse l'œuvre et également l'œuvre. Quand on lit l'œuvre, on va constater que c'est des rebondissements et c'est des surprises. Ouais. Donc, il y a ces deux éléments qui constituent les deux parties essentielles de l'œuvre. À travers toutes les nouvelles, on va remarquer qu'il y a l'amour, que les personnages sont traversés par les problèmes du cœur et également ils sont submergés par les problèmes de la vie. Donc, c'est une œuvre qui fait en quelque sorte. Une œuvre qui parle un peu de tout, ouais. Quand voilà. J'ai lu, ouais. C'est ça, oui. Ouais, ça parle un peu de l'amour, de la prostitution, de la culture. Donc, l'œuvre parle un peu de tout. Bon, voilà. Dans votre précédent recueil de nouvelles, vous dénoncez la prostitution. Je viens de parler de ça. Dans votre. Nouvel recueil de nouvelles, notre cœur, notre piège. Vous parlez également de la prostitution et du célibat à la page 45, dont le texte est intitulé Koulibaly. Ok, je vais essayer de lire le texte et puis on revient pour vous poser la question. Koulibaly, il dit: était-ce une voix entre mes entrailles qui me porta vers instruit ces jours-là? Ou bien une simple appétence sexuelle, ou bien encore cet enfer du célibat dans lequel moisit une adulte, la contraignant à s'abandonner à un homme, même chômeur, ou bien une de ces rentes qui sautent lorsqu'on croise des regards railleurs d'amis, de sœurs mariées et parents plaintifs. Il me semble plutôt que c'était le délire d'une vie à deux après le long moment de ma mesure. Ah, mes années de filles à la plage où tous me connaissent, de lésés aux porteurs de frites. Tous les quartiers, bars, discothèques m'étaient familiers. Tout le monde m'avait vu dénudé. Nous étions une dizaine de chairs offertes que disputent vieux, jeunes, tels les lambeaux de viande sur lesquelles se posaient les mouches. Bon, je viens de lire les passages. Est-ce que c'est la suite de votre recueil de nouvelles coups de théâtre? Parce que dans coups de théâtre, vous avez parlé aussi un peu de la prostitution. Non. Bon, il y a le thème de la prostitution qui revient comme... une trace, un écho, mais c'est pas une suite, hein, parce que lorsqu'on lit cette nouvelle, on va constater que c'est une histoire d'une femme qui a été prostituée, mais qui se convertit, qui voudrait se marier, mais malheureusement pour elle, elle n'aura pas cette chance-là de tomber sur un homme responsable. Elle sera trahie. Donc, c'est en quelque sorte une mésaventure amoureuse dont le lecteur va faire face dans cette nouvelle. Oui. Ça, c'est vrai. Ouais. À la page 47, interrogé, bon, je vais lire un peu le passage comme j'ai ça sur le papier. Interrogé par un journaliste dans un reportage, Jolie, une ancienne call girl, avoua: la prostitution tient sa place dans tout pays qui se veut normal et équilibré. Elle étanche la soif des voyageurs, des touristes, des névrogés en terre étrangère, leur fait rebrousser chemin quand la tentation de violer, de sauter sur une fille d'autrui devient plus forte. Partagez-vous le point de vue de Jolie. Je pense que lorsqu'on voyage, on se fait face même
à des réalités. Dans la société, il y a des gens qui ne peuvent pas se maîtriser. Il y a des névrosés, des gens qui. Bon, ces individus-là, arrivés à l'étranger, seront obligés à chercher une partenaire pour la nuit. Donc, C'est ces ça. gens-là, s'il n'y avait pas cette solution, les travailleuses de sexe, Oui. ils seraient tentés de commettre un viol ou d'agresser sexuellement. La fille. Voilà, donc, ici, c'est la conscience, en fait, c'est l'intérieur, c'est l'esprit des voyageurs, en Oui. fait, cette tentation-là, c'est ça que je suis en train de refléter. C'est vrai. Mais au-delà, lorsqu'on se situe au niveau des prostituées, par exemple, ou lorsqu'on réfléchit, on analyse le phénomène de la prostitution, je pense que c'est quand même un fléau. Ouais, ça quand Voilà, toute même. société conçoit la prostitution comme néfaste sur le plan psychologique des prostituées. Et également, les conséquences. Les conséquences ne sont pas approuvées par la justice de n'importe quel pays où on se trouve. Donc, c'est une question de position. On tente même à formaliser ça, puisque dans certains pays, Oui. les prostituées paient des taxes. Oui, Et normalement, oui, c'est quelque vraiment. chose qui est devenu normal. Bon, Vraiment. ouais, ça m'amène à vous poser la question suivante. Comment faire pour combattre la prostitution, surtout juvénile, dans les grandes villes de nos pays respectifs? Oui, je pense que il faut repérer les zones où la prostitution est faite. Il faut repérer ces zones-là et essayer de contacter les institutions de justice, par exemple, ou les institutions sociales. Donc, il faut dénoncer au premier abord. En plus, il faut chercher à pallier les problèmes liés au chômage, parce que la plupart des femmes ou des jeunes filles qui se prostituent, elles cherchent à régler les problèmes liés au chômage, à la famine et tout. Donc, il faut chercher à régler ces problèmes-là. Et je pense que petit à petit, on va éradiquer la prostitution. Parce qu'aujourd'hui, il y a des associations. Nous avons par exemple il y a une association qu'on appelle ACPE, Agir contre la prostitution des enfants. Et ces sociétés-là ou cette association lutte contre la prostitution des enfants. Et aujourd'hui en France, par exemple, il y a des milliers de jeunes filles qui se prostituent. Hein. Ce n'est pas seulement dans les pays sous-développés. Il y a Même la dans les société française, il y a ça. ouais. Il y a ça. Ça. Au Guatemala, par exemple, le Guatemala est considéré comme l'un des pays réputés en la prostitution des jeunes filles. Et ces jeunes filles-là ont essuyé des scènes violentes de la sexualité de leur mère. Par exemple, parce qu'au Guatemala, par exemple, il y a la société est tellement injuste. Donc, les femmes démunies ont tendance à s'adonner À à la la prostitution, prostitution pour régler les problèmes. Et même, elles reçoivent les clients en face de leur leurs enfants. Donc, dans ces parent. conditions-là, c'est sûr que les enfants soient influencés et exposés Ouais, à à ce la prostitution. fléau-là de la prostitution. C'est ça. Oui. OK. Bon, aussi, bon, dans votre précédent recueil de nouvelles, plus précisément dans le texte Les Crocodiles, vous parlez de la mésaventure d'Emma où c'est une fille sauvée par un charlatan. Dans ce recueil de nouvelles, à la page 63, le texte dans l'ombre de la tradition, vous parlez de deux amis, Kofi et Akwese, dont l'un a confié l'âme de l'autre aux forces de l'ombre.
gros charlatan du village pour la trucider après lui avoir fait oublier la somme colossale. Bon, c'est à la page 67. Bon, comme on n'a pas de temps, tu veux que je lise un peu ou bien on peut aller directement à la question. Il faut nous raconter un peu l'histoire. Mais c'est une histoire de trahison. Hein. Nous avons Akbalou et Akpassi qui étaient des amis. Akpassi avait les moyens et il va aider son frère. Il va lui confier une somme colossale pour que lorsqu'il sera mort, pour que qu'on ait des funérailles dignes de ce nom. Oui. Et malheureusement, son frère Akpalou va utiliser ces sommes pour tuer en quelque sorte son frère. C'est un acte de d'envie. Donc, Akpalou, après ce texte, il sera poursuivi par la famille de Akpassi et tout. Donc, on va l'attraper à la suite. Mais malheureusement, après avoir tué son frère et vécu dans l'opulence, lui aussi, il sera poursuivi à son tour par le cadavre et va mourir. Donc, lorsqu'on va ramener à Palou, attraper et tout, il va mourir. Et malheureusement, pour la famille éplorée, elle sera accusée d'avoir participé à la mort de Akpalou. Donc, c'est en fait les surprises de la vie. J'ai beaucoup aimé ce passage. Donc, j'invite nos téléspectateurs et nos internautes à se procurer de votre bouquin pour lire la suite de l'histoire, quoi, pour connaître la suite de l'histoire. Bon, Monsieur Girard, pour les obligations publicitaires, on va prendre une pause ici. On revient et puis on va continuer la deuxième partie de notre émission qui sera consacrée à parler de votre festival que vous avez participé ici à New York. Donc, c'est l'heure de la pub. Hello everyone, my name is Abdoubaki Boukari. I'm BronzeNet Facility Coordinator. I'm also Asong Africa TV show host and producer. I wish you Merry Christmas and Happy New Year 2022. I also invite you to watch my show at Channel 69 Optimum and Channel 2135 Fios. Thank you. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Abdoubaki Boukari. Je suis le coordinateur des installations de la télévision de BronzeNet à New York. Je suis aussi le producteur et le présentateur de l'émission Asong Africa TV Show à New York. Je vous souhaite joyeux Noël et une bonne heureuse année 2022. Je vous invite à regarder mes émissions sur la chaîne de BronzeNet, la chaîne 69 Optimum et la chaîne 21-35 Fios. Je vous remercie.